Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Et aujourd'hui je vais vous montrer mes derniers achats que j'ai réalisés dans le magasin Action, Cultura et Noz. Donc j'ai décidé de réaliser cette vidéo là un petit peu autrement comparé à l'habitude parce que je voudrais faire une vidéo assez courte. Donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Voilà. Donc cette fois-ci, contrairement à d'habitude, et ben je vais commencer par Action. Comme ça, ça sera fait. Et du coup, comme ça, j'en profite pour vous emmener dans les coulisses du magasin. Même si je suis pas sûre qu'on ait le droit, mais c'est pas grave. Je l'ai fait. Et puis voilà. Donc contrairement à d'habitude, cette fois-ci, j'ai trouvé énormément de choses dans le magasin. Mais malheureusement, je pouvais pas tout prendre parce que j'avais pas pris assez d'argent sur moi. Mais c'est pas grave. Ça, c'est une autre histoire. Et comme ça, en même temps, vous voyez en avant-première quelques petites choses que j'ai pris aussi. Que vous êtes en train de voir là, en ce moment, là, maintenant. C'est peut-être ça. Ou peut-être ça. Enfin bref, vous verrez ça juste dans la suite. C'est rien, con ce que je viens de dire. Donc je vais commencer à quelque chose qui n'a rien à voir avec le loisir créatif, mais plutôt avec l'art de la table. Donc je me suis repris des sets de table. Donc j'en ai 6 comme ça et 8 comme cela. Voilà. Donc les ronds étaient à 89 centimes et les bleus foncés étaient à 99 centimes. Donc, et toujours voilà. Dans l'art de la table, j'ai aussi pris des petits bols pour l'apéro par exemple, puisque pour mettre le saucisson, les chips, enfin tout cela. Jusqu'ici j'avais que des bols rouges et puis bah maintenant avec ma nouvelle table ça va plus du tout. Donc bref, voilà, j'ai pris des petits bols comme ça. Donc les petits étaient à 99 centimes et le plus gros était à 3,26€. Donc je comprends pas pourquoi il y a autant de différence de prix au niveau de la taille, mais bon, c'est pas grave. Je les adore, je les trouve super beaux. Ils ont un peu un style carreau de Simon et j'adore ça, je les trouve super beaux. Encore un petit truc à la con. Du gros scotch, parce que je n'en ai plus du tout, et chez moi c'est vraiment ultra pratique, je m'en sers quotidiennement. C'est, voilà, bref, je l'ai déjà dit tout à l'heure, un gros rouleau de scotch comme ça que j'ai eu pour 75 centimes. Maintenant on passe dans le rayon loisirs créatifs, et je me suis trouvé des petits tampons comme ça. Dans celui-là il y en a 2, et dans celui-là il y en a 3. Et ils étaient tous les deux à 99 centimes, mais voilà, là c'est des petites, je sais pas, des petites banderoles, on va dire ça comme ça. Non c'est pas ça, c'est des guirlandes, enfin bref. Voilà. Et là, c'est 3 petites têtes avec des animaux tout mignons. Voilà les petits tampons de chez Action. Ensuite, je me suis trouvé des petits stickers comme ça, parce que je voudrais m'en servir pour mon bullet journal. Et je les ai trouvés super mignons sur le thème de la nature. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et ils étaient à 99 centimes l'unité aussi. Et ils sont recto verso. Ensuite, voilà. Je me suis trouvé aussi une petite trousse en mode sirène, pareil, pour mettre tout mon matos concernant le bullet journal. Donc voilà, une petite trousse comme ça que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Quand je l'ai vu, j'ai craqué complètement. Pourtant, d'habitude, c'est pas du tout mon délire, mais là, j'ai vraiment adoré. Et la trousse était à 1,59€. Donc voilà, c'est pas grand-chose. C'est super. Avec des petites étoiles, c'est trop mignon. Alors pourquoi des étoiles? Ouais, des étoiles de mer, peut-être. Mais au début, j'ai pas compris pourquoi des étoiles avec le mode sirène. À part l'étoile de mer, je vois pas de rapport. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas grave. Encore un petit achat à la con, j'en avais plus. Des enveloppes matelassées comme ça, donc il y en a 3 à l'intérieur. Et elles étaient à 99 centimes les 3 enveloppes. Les grands modèles, hein, super grands. Voilà. Ensuite j'ai pris ce petit set là, il y avait plein d'autres couleurs, mais moi j'ai préféré que celui-là. Les autres j'étais pas spécialement fan, mais celui-là j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'ai pris celui-là, donc dedans on a du tissu, des rubans, et des attaches parisiennes. Et je pense qu'on peut faire plein de choses super sympathiques avec ça. Et ce petit kit était à 99 centimes, c'est-à-dire rien du tout. Sachant que le tissu fait quand même 50 par 50 environ, à peu près, voilà, à quelques centimètres près.
Donc c'est pas rien, il est quand même grand. Donc, c'est ensuite, j'ai trouvé un lot de 4 marqueurs comme ça, avec plusieurs couleurs dedans, enfin du gris, du bleu et du noir. Voilà. Apparemment, c'est super pour écrire sur le verre, la porcelaine, le métal, la céramique, toutes ces choses-là. Donc à voir, on verra bien ce que ça va donner. Je trouve ça plutôt sympa, donc on verra bien. Et ils étaient à 99 centimes aussi, les 4 stylos. Et pour terminer chez Action, j'ai trouvé ces petites bobines avec des cordes tressées comme ça, que j'adore. Avant, j'ai trouvé dans un autre magasin beaucoup plus cher. Et ceux-là, je les ai trouvés à 1,69€. Donc du coup, je me suis pas privée et j'en ai pris deux. Voilà, et je les adore. Ils existaient aussi dans deux autres couleurs différentes, mais moi, je préfère celle-ci. Voilà. Et je pense que la prochaine fois que j'y retourne et qu'ici, il y en a encore, et ben, je vais reprendre parce que j'adore, parce qu'on fait énormément de choses super sympathiques avec tout ça. Ensuite, on va continuer avec les petits trucs que j'ai pris chez Cultura, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, parce que bah voilà, ce magasin, ça se donne pas forcément. Pour commencer, vous l'avez certainement vu dans ma vidéo DIY spéciale Halloween, j'ai acheté du papier canson, des super méga grandes feuilles. J'en avais pris 3, il m'en reste une et demie, donc j'ai de quoi faire encore plein de petits trucs. Elle mesure 50 cm par 65, donc c'est énorme. Et elles étaient à 99 centimes l'unité. Je me suis aussi repris du vernis fimo parce que j'en avais plus du tout. Voilà, le classique. Moi, c'est celui que j'adore. C'est celui que j'utilise constamment. Donc voilà, mon vernis fimo. Il était à 5,50€. Donc ensuite, le dernier truc que j'ai pris chez Cultura, c'est cette petite encre. J'en avais pas encore jusqu'ici, des encreurs comme ça. Donc voilà, là j'ai pris la marque Memento. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je voulais la tester moi-même pour voir si c'était vraiment bien ou pas. On verra bien. Et je l'ai acheté principalement pour l'utiliser dans mon bullet journal avec tous les tampons que j'ai achetés pour les tester. Voilà, je vais tester tout ça en même temps. Et on verra bien. Et voilà. Et donc chez Cultura, je l'ai payé 4,99€. Et donc on finit avec le magasin Nose. Donc j'ai trouvé quelques petits trucs. Mes filles aussi, comme d'habitude, on trouvait plein de petits trucs. Les blibnés, pardon, j'arrive plus à parler, au secours. Mais je vais pas m'attarder sur ce qu'elles ont pris. Je vais juste vous montrer ce que moi j'ai pris. Parce que ça concerne le loisir créatif, alors que les filles, ça concerne du bazar, comme d'habitude. Donc voilà. Donc pour commencer, ça n'a rien à voir avec le loisir créatif, mais j'en avais plus, donc j'en avais besoin. On s'en fiche, juste des limes à ongles comme ça. Donc elles étaient toutes les deux à 49 centimes. Voilà, on s'en fout. Ensuite, j'ai trouvé une pelote de laine noire, parce que chez Action, ils font pas de noir. Ils font du marron très très foncé, mais ils font pas de noir. Donc quand j'en ai vu chez Nose, j'ai sauté dessus et j'en ai pris. Et elle était à 99 centimes, la petite pelote. Donc c'est très bien. Ensuite, j'ai aussi repris de la super glue parce que j'en avais pas du tout. Enfin, j'en avais plus du tout, pardon. Bon, je sais plus parler, excusez-moi. Et voilà, la super glue, moi je m'en sers constamment. Donc c'était très important. Et elle était à 2,50€. Ce qui est génial chez Nose, c'est qu'il y a toujours les prix. Voilà, la super glue classique, tout ça. Et pour terminer, j'ai trouvé plein de petits tampons tout mignons. Donc voilà, moi être contente, comme ça je vais pouvoir me servir de mon encreur que je viens d'acheter avec toutes ces petites choses. Donc pour commencer, j'ai celui-ci avec marqué Friends Forever à 75 centimes, donc c'est super, voilà. Il y a celui-là aussi avec marqué juste Thank you, merci beaucoup. Voilà, pareil à 75 centimes, donc c'est très bien. Ensuite, il y a celui-là pour 60 centimes, enfin 59, oh, pour un centime près, excusez-moi. Voilà. Et ces deux-là qui étaient, ah non, ils sont pour le même prix, pardon. Donc bref, celui-là qui était à 1,50€ avec plein de petites choses. Donc là, celui-là, c'est pareil, c'est principalement pour le bullet journal parce qu'il y a les saisons et puis il y a plein de petits logos tout mignons. Donc bref, voilà, je l'ai pris principalement pour ça. À 1,50€ et celui-là qui était à 1,99€, c'est un super grand. Quand on parle aux autres où c'est plein de petits, là c'est un seul bloc et c'est avec plein de fleurs, comme un bouquet de fleurs. Je l'ai trouvé trop mignon. Voilà ce que ça donne en vrai. Enfin, en vrai, on se comprend. Et voilà, j'adore. Donc voilà pour mes petits tampons de chez Nose.
qui coûtent que dalle, et ça c'est top. Et une petite apostrophe qui n'a rien à voir, j'ai trouvé ces crayons de couleur aquarellables chez Leclerc pour même pas 4€, je sais plus exactement combien. J'en ai entendu beaucoup de mal, moi je les ai testés une fois et je les ai trouvés super. Donc comme quoi il faut vraiment pas faire attention à ce que les gens disent, il faut vraiment avoir sa propre opinion. Faut vraiment faire ses propres tests parce que voilà, faut pas faire attention à ce que les autres disent. Parce que c'est pas des trucs qui coûtent 20€, parce que c'est pas du Faber-Castell, c'est de la merde. Et ben non, c'est des Bic, c'est de la marque quand même, hein, faut le dire. Et ils sont d'enfer, moi je les adore, j'ai rien à leur dire. Donc voilà, hein. Bref, c'était la petite apostrophe. Et donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format de vidéo haul vous plaît davantage que les autres. J'en sais rien, dites-moi tout. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!